Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien oui, c'est effectivement samedi, il est 19h, c'est Magie Jazzy. Alors on y va, ne perdons pas de temps. Ce soir, je vais vous présenter un effet que l'on m'a demandé dans les commentaires, n'est-ce pas? Alors, issu toujours d'un ouvrage que j'adore, Altitude, de Stéphane Chenier. Certains m'avaient parlé de tandem, et effectivement, c'est un effet qui est à mon répertoire professionnel. Donc je me suis dit, bah écoutez, ce week-end, je vous fais tandem, donc voilà. Alors, pas d'inquiétude, le livre, je sais, il est épuisé, certains me le disent, mais comment cesser l'édition, l'a réédité. D'ailleurs, pour les magiciens qui seraient sur le congrès, bah oui, parce que c'est le congrès en ce moment à Arcachon, et je salue tous les magiciens qui sont là-bas, et les autres, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à aller sur le stand de Franz Rejas, ccmagic.fr, vous trouverez tous les bouquins dont je vous parle, ainsi que tous les jeux de cartes avec lesquels je travaille. Voilà. Et puis, bien évidemment, merci à tous ceux et toutes celles qui me suivent. D'ailleurs, pour mon actu, on pourra me retrouver au mois d'octobre dans un théâtre du côté de Rouen. Mais ça, je vous en parlerai plus tard, dans les prochaines vidéos qui vont venir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end, un très bon visionnage, et je vous dis à très très vite. Salut. Tandem. Donc, deux jokers sortis du jeu. Et ici, on va prendre deux cartes. Alors, par exemple, tenez, le roi de cœur. Moi, j'aime bien le roi de cœur. Et une carte qui va trancher avec le roi de cœur. Honneur aux dames. Tenez, par exemple, la dame de pique. Que je retourne, voyez-vous, face en bas dans le milieu du jeu. Et là, je vais retourner le roi de cœur face en bas. Et pour faire plus fort, on le glisse entre les deux jokers. Roi de cœur entre les deux jokers. Souvenez-vous, dans le milieu du jeu, ici, on a la dame de pique. Eh bien, tout simplement, en un claquement de doigts, mesdames et messieurs, tout simplement, le roi de cœur passe à la place de la dame de pique, n'est-ce pas? Et bien évidemment, si le roi de cœur est là, maintenant, ici, on a la dame de pique.